Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition d'information sur BB24, dont voici les titres. Aujourd'hui, 23 août, c'est la journée du souvenir de la traite négrière, de son abolition, occasion pour réfléchir sur les causes historiques de cette tragédie et perpétuer la mémoire de tous les peuples. Protéger la santé au travail des salariés est nécessaire pour minimiser et, si possible, supprimer les risques liés à l'environnement de travail. L'évaluation des risques professionnels permet de réduire les accidents du travail, les maladies professionnelles et d'améliorer les conditions de travail. Vous est-il déjà arrivé de vous surprendre en train de bouger les jambes, bien qu'étant assis ou allongé? La médecine attribue ce symptôme au syndrome des jambes sans repos. Nous en saurons davantage sur ce trouble dans cette édition. Aujourd'hui, 23 août, marque la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Instituée par l'UNESCO en 1998, cette journée vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Elle est donc l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques et les conséquences de cette tragédie. Suivons dans cet extrait le président du comité de commémoration du 23 août nous explique le sens de cette célébration. Le 23 août, c'est une journée qui a été instituée par l'UNESCO en 1998. Et c'est pour commémorer, c'est pour se souvenir et c'est pour honorer les déportés africains et d'autres aussi, pour qu'ensemble, qu'il y ait un jour où l'on pense à tous ces déportés africains. Il y en avait 12 millions pendant 4 siècles qui étaient partis de l'autre côté. Il fallait qu'un jour, on pense à eux. Pourquoi le 23 août? Mais c'est pour rendre hommage au premier soulèvement des esclaves qui a eu lieu à Saint-Domingue, actuel Haïti. C'était dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'il y a eu le plus grand soulèvement de l'histoire de l'esclavage qui a abouti à la création de la première République noire Haïti en 1804. Voilà, il était important de rendre hommage à ce soulèvement-là. Mais curieusement, les 12 millions de déportés africains étaient en train d'être oubliés tout simplement. Nous avions pensé pendant longtemps que, quand je dis nous avions oublié, nous Africains, mais le monde entier, qu'en faisant le silence sur cette tragédie, qu'on aurait tout oublié. Non, ce n'est pas le cas et aujourd'hui, avec cette date, cette commémoration des 23 août, on met à l'honneur ces 12 millions de déportés. Voilà, il est nécessaire que ce mouvement s'amplifie, que ça ne soit pas seulement à Ouida, que ça soit dans toutes les villes du Bénin, que ça soit dans toutes les villes de l'Afrique, parce que c'est nous, Africains, qui devons honorer les nôtres. C'était à l'instant Christophe Chaudaton, président du comité de commémoration du 23 août, au micro de Ulvaeus Balogun. Vous ne le saviez certainement pas, tous les risques qui affectent la santé mentale, physique et la sécurité des travailleurs sont considérés comme risques professionnels. Au sein de toute entreprise, il faut évaluer ces risques pour les identifier et ensuite les classer par priorité afin de mettre en place des actions de prévention. C'est d'ailleurs la première étape d'une politique de santé et de sécurité au travail, nous dit Alessandra Giottan dans cet élément. Toute activité professionnelle engendre des risques pour la sécurité du travailleur à des degrés plus ou moins élevés. En matière de sécurité et de santé au travail,
tout pas de ce postulat. L'OIT a fait une récente étude qui prouve que 2,74 millions de travailleurs meurent chaque année du fait des risques professionnels. Lorsqu'on parle des risques professionnels au sens de notre législation, c'est les accidents du travail et les maladies professionnelles par an. Vous voyez, les données sont denses et écœurantes et parfois même, bon, ça interpelle chacun de nous parce que ça a un coût économique. En dehors de ces coûts économiques, il y a un coût humain lié aux souffrances humaines. Parlons des maladies professionnelles, elles sont au nombre de 95 à être reconnues au Bénin. La prévention des risques professionnels dans leur ensemble repose sur trois acteurs majeurs identifiés que sont l'employeur, le salarié et l'État. Pour l'employeur, ses obligations sont immenses. Il lui revient d'abord de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir ou prémunir les salariés contre toute agression. Dans la pratique, il incombe aux entreprises de former les travailleurs aux règles d'hygiène et de sécurité, de mettre en place des comités d'hygiène et de sécurité et d'apporter les premiers secours en cas de survenance du risque. Quant aux travailleurs, il doit faire tout possible pour prendre les dispositions, non seulement pour garantir sa santé et sa sécurité, mais ne pas compromettre la santé et la sécurité de ses collègues. Ensuite, il lui revient encore deux obligations principales qui sont des droits en fait. Il y a ce qu'on appelle le droit d'alerte et le droit de retrait. L'État, en matière d'obligations, apporte quant à lui son appui technique à travers le corps des inspecteurs de travail qui détient le pouvoir de contrôle et de coercition. Tout ceci découle d'un ensemble de normes établies qui prévoient également les mécanismes de prise en charge. Le Code du travail fait obligation à l'employeur de déclarer son travailleur, de l'affilier. L'employeur lui-même doit s'immatriculer, ce qui est normal. Donc là, dans les assiettes de cotisation de la CNSS, il y a une rubrique qui est liée au risque professionnel, supporté uniquement par l'employeur. Donc, lorsque vous avez un accident du travail, en principe, la CNSS prend en charge les soins, même si l'employeur prend en charge les soins de premier secours. Lorsque, par exemple, vous êtes femme en état de grossesse, là aussi, l'employeur cotise pour ça, pour les prestations familiales. Et là, lorsque l'employeur, la salariée, pendant ses congés de maternité, par exemple, elle prend 14 semaines de congés, l'employeur paie la moitié, la CNSS paie la moitié. Au plan national, du chemin reste à faire, car bon nombre d'entreprises sont à la traîne en ce qui concerne le respect des normes de santé et de sécurité au travail qui, en résumé, repose sur la prévention à travers l'évaluation des risques encourus par les travailleurs et l'adoption des mesures pour limiter ces risques. Parlons à présent du syndrome des jambes sans repos, encore appelé impatience dans les jambes. Il s'agit d'un trouble neurologique qui cause un besoin irrésistible de bouger les jambes. Il se manifeste souvent en position assise ou couchée. Fourmillement, picotement, sensation de brûlure provoquant des insomnies chroniques. Existe-t-il des symptômes pour détecter le mal? Quelles sont les causes et les traitements appropriés pour prévenir cette impatience? Élément de réponse dans ce reportage signé Émile Azopota. Le syndrome des jambes sans repos, appelé aussi impatience dans les jambes ou encore impatience nocturne, est un trouble neurologique qui cause un besoin irrépressible de bouger les jambes. Environ une personne sur 10 en souffre. Selon des études épidémiologiques faites par l'Organisation mondiale de la santé, les manifestations varient selon l'organisme de chacun. Je gigote parfois quand je suis stressé ou bien je suis énervé, quelque chose me donne par exemple, ou je suis en train de réfléchir à quelque chose. Je ne commençais pas à sentir cette affaire quand mes enfants ont commencé à grandir. Chez moi, c'est quelque chose, c'est une manière de me rappeler des faits passés, quoi. Oui. Je ne sais pas si c'est une maladie en quelque sorte. C'est au fait quelque chose qui ne nous prend pas à mes gardes. Moi, par exemple, c'est lors d'un match d'entraînement que j'ai reçu un coup au genou. Et à des moments donnés, il arrive que je constate que les nerfs ne me permettent pas, mes pieds sont parfois coincés. Donc, à des moments donnés, c'est ça qui me titille et j'ai comme de la douleur dans le genou qui parfois me force à faire ça.
Cette sensation irrésistible est donc dans la plupart des cas un réflexe. Cliniquement significatif, elle est parfois modérée ou sévère. Selon les spécialistes, le syndrome des jambes sans repos n'est pas une maladie, mais plutôt un trouble neurologique suscité par un manque d'une composante chimique dans l'organisme qui permet aux nerfs de communiquer entre eux et de réguler les mouvements. Et aussi, dans les causes, on retrouve aussi ce syndrome qui est lié à des causes secondaires, donc comme une carence en fer, et la supplémentation aide à traiter le patient. Parfois, on a des tics qui ne sont pas forcément le syndrome des jambes sans repos. Néanmoins, dès l'apparition des premiers signes, il faut chercher à consulter son médecin. Le caractère qui prédomine dans le syndrome des jambes sans repos, c'est la survenue vraiment au repos et qui va donc augmenter le soir. Et il y a l'anxiété, comme vous le décrivez, le fait d'attendre et de manifester une impatience parce qu'on attend à la banque, à la poste, etc., n'est pas forcément le syndrome des jambes sans repos. Mais c'est des éléments qu'il faut surveiller pour le dépister. Il est important de noter que l'on peut présenter des impatiences de façon intermittente sans pour autant développer un véritable syndrome des jambes sans repos. Venons-en maintenant à cette nouvelle décision prise par le gouvernement togolais. L'exécutif décide de rendre la scolarité publique gratuite dans les collèges et lycées d'enseignement public sur toute l'étendue du territoire togolais. Cette décision prend effet dès l'année scolaire 2021-2022. Cette mesure sociale, dont l'application est immédiate, s'inscrit dans la poursuite des actions engagées depuis le début de la crise sanitaire pour renforcer la résilience des populations face à la pandémie. Une autre mesure sociale décidée par le gouvernement togolais, c'est la prise en charge par l'État de la tranche sociale des factures d'eau et d'électricité pour le mois d'août 2021. Cette disposition particulière, déjà appliquée entre avril et août 2020, a coûté à l'État togolais près de 10 milliards de francs CFA. Plus d'une semaine après le séisme qui a ravagé le sud-ouest d'Haïti et fait près de 2 200 morts, les autorités haïtiennes comptent sur l'aide humanitaire afin de venir à bout des nombreux problèmes auxquels les sinistrés sont confrontés. Plus de précisions dans ce reportage signé par nos confrères de France 24. Les habitants des cailles fouillent les décombres depuis 6 jours maintenant. Les pelleteuses sont rares, les moyens dérisoires pour trouver les corps des victimes toujours enfouis. Vous sentez, c'est l'odeur de la mort. Personne n'a envie de mourir de cette façon. Au sud-est de l'île, près de l'épicentre du séisme, 50 000 habitations dévastées et autant de maisons endommagées comme celle de Filina Merzi. Elle désigne les énormes fissures sur les murs apparues samedi dernier lors du tremblement de terre. Cette mère de famille nombreuse n'a plus de toit. Comme la plupart des sinistrés, elle campe désormais sous des tentes de fortune. Parfois, je m'assois là et je pleure en pensant à ma vie perdue. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus que Dieu à implorer pour du secours. L'hôpital de la ville est débordé par l'afflux de blessés, certains très grièvement. Mères et enfants s'entassent sur des matelas, même le sol. Lits, médecins, médicaments, tout manque, y compris la nourriture. Derrière les grilles de l'aéroport, des personnes affamées interpellent les humanitaires qui débarquent les premiers sacs de riz. L'aide internationale arrive enfin dans le sud-est de l'île. Nous apportons beaucoup de médicaments et de matériel médical, toute une infrastructure pour pouvoir opérer dans un environnement sans électricité. Un hélicoptère des gardes-côtes américains se pose dans ce village. La tentille est forte. Il est encore inaccessible par la route. Les blessés les plus graves vont enfin pouvoir être évacués. C'est la fin de cette session d'information que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.